Bonjour à tous, et bien encore une fois très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de mes meilleurs spots VTT. Et aujourd'hui, c'est le premier numéro, parce qu'il y en aura d'autres bien sûr, de la station de ski de La Plagne. Pour ceux qui me suivent sur MPP Freeride, ma deuxième chaîne consacrée au ski de haute montagne, vous savez que je travaille ici l'hiver et donc j'aime particulièrement aussi faire découvrir ces endroits l'été en VTT ou en VTT électrique. Vous allez voir qu'il y a vraiment des paysages absolument somptueux. Alors pour ce premier opus sur mes terres, j'ai envie de vous faire découvrir un endroit à la fois sauvage et très accessible, la Combe des Arriérés. C'est une balade à la fois sauvage et belle, mais facile d'accès à partir du sommet de la Roche de Muot et qui offre une vue incroyable sur tout le parc de la Vanoise avec la Grande Casse, le Grand Bec, la Grande Motte en fond. C'est somptueux. J'adore aller là-bas l'été comme l'hiver. Allez, c'est parti pour cette merveilleuse balade qui inaugure bien d'autres, vous allez voir, à venir sur la chaîne. Combe des Arriérés avec ses amas de cailloux, ses éboulis de cailloux qu'on voit plus du tout l'hiver. C'est assez marrant parce qu'il y a, toujours 2 ou 3 mètres de neige ici. Non, mais tu vois, on prévient, on va doucement. Ah, il y en a un deuxième. Ouais. Où est-ce qu'il est l'autre? J'en entendais un deuxième. Et il est derrière nous là, regarde, juste à droite.
D'accord, ah, c'est ils bon. Sont beaux. Ouais, ils sont beaux. Tu vois, tu vas doucement, tu préviens bien que tu arrives. Et si jamais ils bougent, tu t'arrêtes et t'attends qu'ils viennent vers toi. S'ils bougent pas, tu continues tranquille. Oui, t'es gentil. Bébé. Bébé. Ça sent les moutons. Ah. Ben. Là, je parle couramment de brebis. Ah ouais. Je parle plein de langues. Je parle le patou, la brebis. Oh bah là. Tu vois, je voulais me retourner pour voir si t'allais bien. Hop là. Ça va? Ouais. Ben. Donc on arrive à l'ancien village de la Tougne qui est abandonné depuis déjà des décennies. C'est bien dommage. C'est quand même assez surprenant de penser qu'il y avait des gens qui vivaient au milieu du 20e siècle encore ici. Complètement en autarcie à 2200 mètres d'altitude. Retour vers la civilisation. Avec le bas du télésiège de la Rossa sur le secteur de Champagny. Woo!